Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je voulais notamment savoir s'il n'y avait pas de décalage entre la voix et le son, enfin entre la voix et l'image. Thibaut est encore là. Ok, impeccable. Donc le son est bon. L'image ok. Ok, super. Très bien. Ah, bah, y a Vahé qui est là. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là, Vahé? T'as pas choisi la bonne spé pourtant. On y va. Avant de commencer, juste un petit coucou et je voulais dédicacer ce live à Agathe. Qui, je te fais plein de gros bisous pour tes 17 ans de la part de Papa Lacou. Ciao, j'espère que tu as bien profité. Bon, sinon, à part ça, un petit bonjour à tous mes anciens élèves qui sont encore là. J'en vois quelques-uns. J'ai cru voir Thibaut, qui est là, le beau gosse. donc, j'ai vu Vahé, qui est là. Je sais pas ce que tu fais là, Vahé, parce que je te rappelle que tu as pris maths physique. Tu n'as pas pris AGGSP. Alors, allez, donc, je vous rappelle, hein, on avait dit qu'on fait prioritairement faire la guerre, faire la paix, et puis les connaissances, ça marche? Super, très bien, bon bah c'est parfait s'il n'y a plus de décalage. On y va, c'est parti, allez. D'abord, première petite chose, les pronostics, allez. Je suis vraiment trop nul en pronostics, hein, donc je ne peux pas vous dire. En plus, j'ai rien regardé de ce qui était tombé les années précédentes, tout ça, vraiment. Vraiment nul en pronostic, donc je peux pas trop savoir. Donc, allez, si je dois mouiller, je dirais peut-être une étude de critique de documents sur la connaissance, allez, ouais, sur le cyberespace. Vraiment pour mouiller, hein. Je dirais du coup deux dissertations. Si je devais faire une dissertation, je sais pas, moi, on pourrait dire les enjeux géopolitiques du patrimoine, peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? Faire la guerre, faire la paix, ça tombe tout le temps. Mais si c'est faire la guerre, faire la paix, je mettrais un truc sur faire la paix plutôt. Voilà, allez, c'est lancé comme ça, j'en sais rien du tout. On verra si j'ai raison. Alors, on est parti. Alors, Elisa Créma, bonjour Elisa, tu me dis, est-il vrai? Est-ce vrai que les notes seront communiquées le 12 avril? Ah ben j'ai appris ça, oui aussi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend des trucs tous les jours. J'ai appris ça hier. A priori, vous devriez avoir vos notes avec Parcoursup, bon, alors qu'avant c'était plutôt au mois de juillet. Bon, bah, tant mieux ou tant pis, hein, c'est pas très très grave ça. Cassie, bonjour, j'ai pas bien compris cette histoire de guerre réelle et guerre absolue, vous pourriez m'aider s'il vous plaît. La guerre absolue, c'est le concept de Clausewitz. Alors, l'idée de guerre absolue, c'est, comment dire, c'est qu'à la différence d'une guerre classique, comme une guerre de la guerre de 7 ans, la guerre absolue, c'est l'utilisation de l'ensemble des moyens, et notamment de la société, et notamment des populations, pour faire d'une guerre qu'on investit tous les moyens pour gagner cette guerre. C'est plus simplement un conflit où finalement c'est comme un ratio, à un moment j'ai plus à perdre qu'à gagner, donc j'arrête. Là, c'est vraiment, on va jusqu'au bout parce qu'on a la population. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Attends. Nawel, bonjour, pour vous, c'est quoi le thème le plus dur? Le thème le plus dur, je sais vraiment, je sais pas, peut-être faire la guerre, faire la paix. Je trouve qu'il, voilà, entre faire la guerre et faire la paix, c'est toujours pas, fa c'est pas facile de à chaque fois de faire la guerre, faire la paix. Et je pense qu'il faut pas trop faire la guerre d'un côté et faire la guerre de l'autre côté. Alors, les prodiges, je me demande, c'est une guerre totale en fait, genre une guerre absolue. Oui, en fait, sauf que totale, ça n'existait pas, puisque Clausewitz, il est écrit en 1832, enfin, il est mort avant, et son ouvrage est publié en 1832. Et du coup, il connaît pas le concept de guerre totale. Donc voilà, donc c'est pour ça que finalement on pourrait dire que lui ce qu'il connaît de plus absolu, c'est les guerres napoléoniennes. Puis après il y aura encore plus absolu avec les guerres, la Première Guerre mondiale, et puis encore après il y aura la guerre d'anéantissement, la Deuxième Guerre mondiale, où là on n'est plus du tout dans le même domaine. C'est-à-dire que autant les guerres napoléoniennes, c'est il faut renverser
la table, il faut mettre tout en œuvre. Et puis il y a aussi l'idée, vous savez, de la grande bataille décisive, style Waterloo, qui va tout jouer. Napoléon, il met en scène ces grandes batailles. Austerlitz, Waterloo, Iéna, Wagram. Et alors que la Deuxième Guerre mondiale, on est davantage sur quelque chose qui est de la destruction. En fait, quand Hitler, quand il lance ce qu'il appelle la guerre totale, après la bataille de Stalingrad, son objectif, c'est de dire en quelque sorte, il a une vision, vous savez, un peu cosmique, hein, enfin un peu cosmique, un peu quasiment divine, et il se dit, le peuple allemand doit guider le monde vers la modernité ou disparaître. Donc voilà, donc c'est un peu ça son idée. Et pareil, il faut détruire les soviétiques, mais pas battre politiquement. Il faut détruire l'URSS ou être détruit par l'URSS. Donc voilà, c'est la différence avec la guerre d'anéantissement, la guerre totale et la guerre absolue. Voilà. Laxmi Prévost qui me dit, c'est quel type de guerre? La guerre froide. C'est plusieurs types de guerre, la guerre froide. La guerre froide, vous allez à la fois, on va avoir des guerres interétatiques, vous allez avoir des guerres intra-étatiques, des guerres irrégulières, puisqu'en fait, on va avoir une lutte d'influence à l'intérieur. La CIA, par exemple, va intervenir pour déstabiliser certains pays, notamment d'Amérique centrale. Et puis, vous allez avoir aussi des conflits asymétriques, comme la guerre du Vietnam. Donc voilà, c'est plutôt un ensemble. Ok, ça marche? Très bien. Alors, bonjour Matos qui me demande, bonjour, comment faire un lien entre le jalon 1 sur l'alphabétisation des femmes et le jalon 2 sur la radioactivité? C'est impossible. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, ça va mieux en le redisant. Il ne faut pas que vous vous concentriez forcément sur les jalons. Les jalons, c'est des exemples. Et il faut avoir les notions. L'alphabétisation des femmes, ça témoigne des enjeux liés à la diffusion de la connaissance. Donc voilà, vous devez, en faisant ça, si vous avez un sujet sur les enjeux de la connaissance, les États cherchent à diffuser la connaissance pour améliorer les conditions de vie, etc. Et là, vous pouvez prendre l'alphabétisation. Alors, on peut prendre l'alphabétisation dès le 16e, 17e, 18e, en lien avec l'humanisme, en lien avec les philosophes des Lumières, mais on peut aussi aller chercher tout simplement le 19e et le 20e. Et l'alphabétisation, là, ça n'a plus le même enjeu. Si on pense à l'alphabétisation en France au 19e siècle, c'est davantage en lien avec la lutte pour l'affirmation du système républicain. Je m'explique. Lorsque la République proclame l'école gratuite, laïque et obligatoire, c'est parce qu'en fait, les institutions religieuses ont déjà en charge une partie importante des élèves, et notamment des élèves des élites, et dans lesquelles l'influence religieuse est prégnante, et l'influence religieuse est associée à la question de la monarchie. Or, comme on est dans une période où potentiellement la monarchie peut réapparaître, pour les républicains, il est fondamental d'asseoir un système scolaire dans lequel il n'y aura pas de propagande, en quelque sorte, royaliste, mais plutôt une propagande républicaine. Donc voilà, donc on peut voir que là, la diffusion de la connaissance, ça sert à imposer un régime politique. Je ne sais pas si j'étais Romane, jamais. Bonjour Monsieur Yacou, petit coucou d'une ancienne élève. Courage et terminale. Merci Romane, t'es super, ça me fait plaisir de te voir. Alors, Victor qui me demande quelles sont les différences entre les guerres d'aujourd'hui et les guerres d'hier? c'est un petit peu compliqué. Les guerres d'aujourd'hui et les guerres d'hier. Alors attendez, par contre, il faut juste que je fasse un petit truc. Je vais juste ralentir les questions parce que j'ai vu des questions qui reviennent souvent et puis je ne pourrais pas le faire. Voilà. Guerre d'aujourd'hui et guerre d'hier. Si on regarde le conflit russo-ukrainien, ça dépend d'abord ce que tu veux dire par guerre d'hier. Est-ce que c'est guerre du XXe siècle, guerre du XVIIe, du XVIIIe, guerre de l'Antiquité? Dans les guerres d'hier, il y a toujours cette idée de rapport géopolitique. On a un ennemi qui commence à être puissant, ou on considère que le moment est approprié pour réduire la puissance d'une nation ennemie. Aujourd'hui, ça n'a pas forcément beaucoup changé. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, la plupart des conflits, il y a des guerres civiles, finalement, des guerres intra-étatiques. Mais dans les guerres intra-étatiques, on trouve souvent l'intervention de puissances tiers, de puissances régionales, même de puissances mondiales, qui cherchent à déstabiliser un petit peu l'État ou à à pousser un avantage qu'ils ont, ou alors au contraire, à aller vers un avantage. Voilà. J'ai vu.
Alors, pourriez-vous revenir sur les enjeux des puissances au Moyen-Orient, s'il vous plaît? Me demande Bianca. Alors, les jeux des puissances au Moyen-Orient, pardon, pas les enjeux. Alors, si on pense au Moyen-Orient, il va falloir réfléchir à plusieurs échelles. Alors, si vous allez réfléchir à l'échelle régionale, et vous avez deux grandes puissances, enfin trois, pardon, l'Arabie Saoudite, puissance sunnite, lieu de foyer de la région musulmane, avec notamment la Mecque et Médine. Vous allez avoir l'Iran, avec ce qui est la grande puissance chiite, avec des lieux saints aussi chiites. Et puis vous avez Israël, qui est l'État hébreu, juif, qui est la grande puissance économique, politique et militaire de la région. Et ces trois, c'est un coup de billard à trois bandes. En fait, ils peuvent pas trop se supporter les uns les autres, mais peut-être que l'Arabie Saoudite et Israël ont en commun de détester l'Iran. Et donc finalement, quand il y a un conflit au Moyen-Orient, il y a toujours ces trois puissances qui interviennent. Puis après, vous allez avoir les puissances mondiales, parce que n'oublions pas que le Moyen-Orient, c'est le principal lieu d'approvisionnement en hydrocarbures, donc c'est hyper stratégique d'avoir un pied, une influence sur ce proche Moyen-Orient. Par exemple, on dit souvent que les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak pour le pétrole. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, selon moi. C'est-à-dire que ils vont là-bas parce que l'Arabie Saoudite, qui est leur principal allié, est un pays qui est déstabilisé, notamment par une montée de l'intégrisme religieux, et incarné par Osama Ben Laden, qui est un cousin de la famille des Saouds. Et donc, ils ont peur de perdre leur principal allié en Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se disent, on va aller en Irak pour mettre en place un État allié, un État pas satellite, mais un État qui sera ami, dans lequel on pourra faire des affaires. Comme ça, si on perd l'Arabie Saoudite, on ne perd pas le pied au Moyen-Orient. Donc voilà, on voit bien que là, ce sont des enjeux qui sont hyper importants. Donc les jeux des puissances, c'est ça. C'est des enjeux politiques, des enjeux économiques par rapport au pétrole. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Là, pas mal. Alors, peut-on. Alors, c'est GG qui me dit, peut-on utiliser une citation du document donnée dans l'étude de document comme accroche? On évite. On évite. Parce que, en fait, on va plutôt utiliser, si vous avez une citation intéressante, c'est plutôt que vous allez l'utiliser dans votre développement. Donc, ne partez pas là-dessus. Enfin, je pense. Hein. Alors. Thibaut qui me demande, serait-il possible d'expliquer comment se structure le thème du patrimoine et ses idées principales, s'il vous plaît? Oula, aïe, déjà on l'avait fait hier un petit peu, donc je te renverrai un petit peu sur ce dire. Et puis en plus, c'est hyper long. Il faut juste comprendre les enjeux du patrimoine. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce que c'est que le patrimoine, quels sont les enjeux géopolitiques, politiques, économiques, culturels, sociaux. Je pense que c'est vraiment important, c'est là-dessus que vous pouvez travailler, et puis la France est. Et voilà. Xerox qui me demande pourquoi le traité de Westphalie est-il si important? Très bonne question. La guerre de 7 ans remet-elle en cause ce traité? Alors, le traité de Westphalie, il est important. Enfin, les traités de Westphalie, on est d'accord, c'est pas le truc le plus fun à apprendre, on va pas se mentir. En même temps, c'est intéressant, on peut pas dire que du coup, c'est un truc que vous avez jamais travaillé en cours. Donc, ça, c'est bien. Et, les traités de Westphalie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que finalement, il pose la question de la structure d'un État, à mon sens. Hein. La structure d'un État, c'est un État qu'on va appeler donc westphalien, c'est un pouvoir politique avec un territoire délimité par des frontières. Ce pouvoir politique exerce une autorité avec des lois et une population. Ça, c'est notre État, notre structure. Le Saint-Empire romain germanique, le problème, c'est que c'est plus de 300 principautés, donc 300 petits États, avec une autorité, on dirait supranationale, une autorité incarné par les Habsbourg. Et donc la question, c'est est-ce que finalement l'autorité impériale est supérieure aux autorités nationales? Et donc les traités de Westphalie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on va d'abord régler collectivement cette guerre. Donc ça, c'est déjà, on pense déjà à une notion de sécurité collective. On mettra en plus des commissions de suivi, on les met en place pour suivre l'avancée de résolution du conflit. Donc ça, c'est hyper important. On fera exactement pareil avec le traité de Versailles finalement. On n'a rien inventé. Et puis, dans le deuxième, donc premier point, la sécurité collective européenne. Deuxièmement, cette idée que le traité de Westphalie met en place, reconnaît que dans les négociations comme dans la guerre, l'acteur principal, c'est l'État. Et l'État, il est incarné par le pouvoir du roi.
le roi et le territoire et la population. Donc c'est un petit peu ça. Alors, la guerre de 7 ans, elle ne remet pas du tout en cause ce traité, ce principe des traités de Westphalie, puisque finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est juste des États qui négocient entre eux ou qui se font la guerre entre eux pour des objectifs qui sont purement politiques. Voilà. J'espère que j'aurai à peu près répondu à ta question. Alors, bonjour, pouvez-vous nous marabouter pour qu'on puisse avoir une bonne note demain? Sinon, pour être plus sérieux, est-ce que demain vous allez faire un débrief des sujets du jour? Ouais, j'ai prévu de faire un débrief. Marabouter, je suis nul en maraboutage, donc ça marchera pas trop. Par contre, je vais essayer de débriefer. Alors, c'est pareil, soyez indulgents hein, et ne stressez pas, c'est pas parce que je vais dire que j'aurais fait ça que c'est forcément vous avez faux. Il y a plein de possibilités. Je vais essayer de vous débriefer tout ça. OK? Pouvez-vous. Attendez, ça a bougé. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour un bon plan, me demande Loïsa Gouog, de ne pas se répéter lors d'une dissertation. Un bon plan, c'est d'abord un plan avec des idées bien précises et c'est surtout un plan où on part de ce qu'on sait et pas de la structure qu'on veut mettre en place. On commence par poser ses idées sur un papier et puis après, on organise les idées entre elles. Et puis on essaie de ne pas être trop ambitieux si on a un petit peu de mal, et voilà, on est plutôt tranquille. Comme ça. Après, il faut être décontracté, il faut essayer de reprendre un petit peu ce que vous avez fait en cours. Alan qui me demande si on peut citer le maréchal Pétain. Ça dépend. ça dépend vraiment de dans quelle mesure vous pouvez le citer. Si c'est une citation sur la guerre quand il est général, ça peut marcher. Si c'est une citation sur quand il domine la France, on va éviter quand même. Sauf si on aime bien certains candidats à l'élection présidentielle dont le nom commence par un Z. Denise qui me demande. Bonjour Monsieur Lacou, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on attend exactement de nous en études critiques de documents? Alors qu'est-ce qu'on attend de vous en études critiques de documents? On attend de vous que vous puissiez contextualiser le document. Ça, c'est hyper important. Le terme que vraiment que vous devez avoir en tête, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire contextualiser? Ça veut dire que vous devez expliquer ce qui est implicite. L'exemple que je donne souvent à mes élèves, c'est que, par exemple, en 2018, si on avait un discours d'Emmanuel Macron dans lequel il dit que cette année a été très difficile et que le jaune n'est peut-être pas une couleur qui lui porte bonheur. Nous, on sait tous qu'il fait référence au gilet jaune. Si vous avez ce texte 60 ans plus tard, impossible de savoir à quoi il fait référence. Donc, c'est ce que vous faites, vous. Vous contextualisez, c'est-à-dire que vous donnez l'implicite, ce qui n'est pas dit dans le texte. Donc, vous prenez une citation et vous dites, bah, lorsque l'auteur parle de ça, il fait référence, voilà. Et vous expliquez, vous déroulez votre fil, votre cours. Donc, voilà, c'est ça ce qu'on attend de vous en étude critique de documents. Partir du document et le replacer dans son contexte global, à la période, dans le thème que vous avez étudié. Puis dans un deuxième temps, c'est le critiquer positivement ou négativement. Positivement, ça veut dire on trouve le document intéressant, il nous a permis de mettre en évidence telle ou telle notion. Et puis critique négative, alors c'est pas le texte est mal écrit, c'est plutôt le texte ne nous dit pas que, c'est un point de vue, donc il est orienté, tout texte est un point de vue orienté. Donc voilà, donc c'est plutôt ça que vous devez faire pour l'étude critique des documents. Ensuite, Clément. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous dire les continuités, les ruptures entre le système westphalien et les tentatives de maintien de la paix sous Kofi Annan, s'il vous plaît? J'aurais dit dans les continuités, je pense qu'on peut forcément parler de la notion de sécurité collective et des acteurs traditionnels de résolution de la paix, qui sont les États et qui sont les organisations internationales, même si elles n'existaient pas. En tant que telle, l'ONU n'existait pas à l'époque des traités de Westphalie, mais il y a des grandes puissances qui, en tous les cas, négocient entre elles. Donc ça, il y a cette notion de sécurité collective, d'arriver à un accord global. Et puis, par contre, la différence, les ruptures dans le système westphalien et les tentatives de maintien de la paix sous Kofi Annan, je dirais plutôt que pour l'ONU, c'est une organisation déjà qui est à l'échelle globale, mondiale, qui est plus abouti avec des moyens qui a prévu quand même dans sa charte qu'on va faire la guerre pour maintenir la paix et donc qui est beaucoup plus abouti même si le fait que les cinq pays membres ont le droit de veto limite forcément cette action de l'ONU. Alors,
On en était où? Bonjour monsieur, avec quels exemples serait-il pertinent de faire un schéma? Quels exemples? Là tout de suite, je vois pas, il faudrait qu'on précise sur le thème. On pourrait faire un schéma logique. Peut-être qu'on pourrait envisager un schéma sur les grandes puissances mondiales, mais il faudrait voir en. Si par exemple, nous on l'avait traité en cours avec mes élèves, on avait vu la carte de répartition des monuments de l'UNESCO inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc on voit que vous avez. Donc on peut faire un planisphère rapidement, on fait le monde très simplement, et puis on peut montrer l'Europe qui est surreprésentée dans les monuments du patrimoine, l'Amérique du Nord qui est moyennement représentée, et puis après les autres espaces, à l'exception de l'Asie, qui sont faiblement représentés. Donc on peut dire qu'on a surreprésentation de l'Europe, on a représentation moyenne à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'Amérique du Nord et de l'Asie, et puis le reste est plutôt dans un patrimoine dit naturel, et plutôt avec une sous-représentation. Voilà, par exemple, je ne sais pas si c'était vraiment pertinent. Bonjour monsieur, comment répondre à la question les enjeux géopolitique de la question environnementale me demande G2XR. Alors ça, c'est hyper intéressant, même si c'était pas notre thème, mais on va quand même répondre parce que j'ai trouvé beaucoup, quand j'ai corrigé le bac blanc dans mon lycée, j'ai trouvé beaucoup d'élèves qui se sont trompés là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas se louper. Je bois un petit peu de thé quand même pour reprendre ma gorge. Les enjeux géopolitiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette question environnementale, notamment du dérèglement climatique. Comment les États réagissent? Puisque c'est un problème qui est global. Hein, donc si vous avez un problème global, il va falloir avoir une réponse globale. Or, cette réponse, elle n'est pas encore globale. Elle est par État, par organisation régionale. Et elle témoigne de rapports de force. C'est ça qui est super important. Prenons les exemples des pays des Nord qui ont achevé leur transition, qui sont en train de basculer vers une transition écologique, en quelque sorte, hein, qui vont aller vers la zéro émission de gaz à effet de serre. Ben, il serait tenté de dire aux pays les plus pauvres, eh ben, allez directement vers ce modèle-là. Sauf qu'on l'a bien vu, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, les pays du Sud, on réclame ce qu'on a appelé la dette climatique. La dette climatique, c'est l'idée sur laquelle les pays des Nord vont payer parce qu'eux, ils ont davantage pollué et c'est eux qui sont responsables du problème. Ça, voilà, c'est purement un rapport de force géopolitique. Le fait que les pays des Nord soient obligés de payer pour les pays des Sud. Parce que si on veut que ça fonctionne, il faut forcément avoir une contrepartie. La présence de la Chine, est-ce que la Chine va signer par exemple les accords? La présence des États-Unis, qu'est-ce que ça signifie que les États-Unis ne signent pas ces accords? Parce qu'en fait, souvent on dit les États-Unis signent pas les accords parce que Donald Trump, ceci, cela. Non, en fait, les États-Unis, vous l'avez vu, déjà George W. Bush signe pas les accords. La SDN, par exemple, la Première Guerre mondiale, les États-Unis ne signent pas les accords de la SDN, n'entrent pas, ne ratifient pas la SDN. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, aux États-Unis, il y a une pensée selon laquelle on ne doit pas être entravé par des accords internationaux. Donc, on peut faire des choses bien ou mal, mais les accords internationaux nous entravent le développement, donc on évite de les signer. Voilà. C'est simplement ça. Donc là, c'est encore une fois un rapport de force géopolitique. Je ne sais pas si j'étais à peu près très clair. Nanana. Alors, Hélène, qui me demande plusieurs fois que mettre dans une dissertation sur les enjeux géopolitiques du patrimoine. Les enjeux géopolitiques du patrimoine, je l'ai dit hier, mais bon, allez, je vais le redire, c'est pas grave, j'ai un petit peu de temps encore. Comment dire? C'est la même chose, c'est un rapport de force. On rend les frises du Parthénon, les Britanniques vont rendre les frises du Parthénon, à partir du moment où le rapport de force géopolitique sera en leur défaveur, pardon, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas poussés à les rendre. C'est-à-dire quoi, géopolitique? C'est les relations entre les États. Donc, si on prend l'exemple de la France, elle a rendu les 26 œuvres au Bénin. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en ce moment rejetée de l'Afrique. Donc, comme elle est rejetée de l'Afrique, il s'agit pour elle de montrer, d'enlever cette image de puissance néocolonisatrice, néocoloniale, même coloniale, et donc d'apporter une image différente en disant on tire le bilan de nos erreurs. C'est ça, les contextes géopolitiques. Voilà. L'intro pour Alan Moriarty, pour l'introduction, comment avez-vous des conseils, pardon, sur la forme?
comment bien formuler pour éviter le côté bébé. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par le côté bébé, sans doute le côté un peu blablabla, ouais. Alors, moi, j'ai tendance à dire, on commence par une phrase d'accroche. Si on a une citation, c'est nickel, on glisse sa petite citation. Si on n'a pas de citation, on peut définir la notion importante. On peut partir d'une date majeure. On évite depuis tout temps ou au fil du temps. Alors ça, c'est vraiment. On évite. Jamais. On fait ça. Vous définissez les grands termes de votre sujet. Pas inutile de définir tous les mots, mais vraiment les mots majeurs. Et ensuite, vous faites votre problématique. Alors, si le sujet est déjà problématisé, vous pouvez la reprendre. Ça ne vous pénalisera pas, mais si vous pouvez reformuler, c'est mieux. Ensuite, il y a l'annonce du plan. Et c'est dans l'annonce du plan, souvent, qu'on a des trucs un peu bébés. Si vous mettez dans une première partie, nous verrons, puis nous verrons, et enfin nous terminerons par, ça, c'est le niveau basique. Oh, non, il y a pire, il y a ceux qui me font l'annonce du plan en une phrase. Moi, j'ai toujours tendance à dire à mes élèves, une phrase, une partie. Une phrase, ça se termine par un point. Donc, dans le pire des cas, vous mettez dans une première partie, nous verrons ça, point. Puis nous aborderons ça, point. Enfin, nous terminerons par ça. Et puis après, vous avez le style indirect, c'est-à-dire que vous pouvez problématiser. Exemple, je ne sais pas moi, la découverte de la radioactivité est un moment majeur pour la communauté scientifique internationale au 19e. Point. Ça, j'ai fait cette phrase-là, c'est une phrase problématisée, et ben, le correcteur, il sait qu'après la problématique, la première phrase, c'est l'annonce du grand 1. Après, on peut dire par exemple, la radioactivité provoque une effervescence internationale sur la communauté scientifique. Deuxième. Enfin, les enjeux géopolitiques et la Seconde Guerre mondiale poussent à une recherche différenciée ou à un isolement, je ne sais pas, par exemple. Là, j'ai mis mes trois parties. Voilà. Ensuite, avez-vous des conseils pour la gestion du temps pendant l'épreuve? Me demande Flora. Après, je répondrai à Yacine sur la guerre Russie-Ukraine, hein, pour bien que ça marche. Alors, pour la gestion du temps, 2 heures, 2 heures, c'est l'idéal, évidemment. Après, on n'est pas à 5 minutes près. Il faut surtout faire, on commence par ce qu'on aime bien, ce qu'on préfère, où on est le plus à l'aise. On peut déborder un peu sur la disserte parce qu'elle est plus longue à écrire, mais pas trop. Et il faut bien faire les deux. Et puis voilà, après, moi j'ai tendance à, enfin, de mon très ancien temps, quand je faisais des dissertations pour les concours, en fait, je divisais le temps qui me restait. Admettons qu'il vous reste 1 heure pour rédiger vos deux parties, et ben vous coupez le temps. Ça veut dire que vous avez chaque partie 30 minutes. Ça veut dire que si vous avez chaque sous-partie, ben vous mettez 10 minutes. Voilà, comme ça vous donne un guide. Vous savez au fur et à mesure si vous êtes en avance ou en retard. Surtout, on ne stresse pas. Hein, et puis, on prend le temps de bien se relâcher. Pour la guerre Russie-Ukraine, c'est quel type de guerre? Pour une accroche, ça passe. Évidemment que ça passe, Yacine, ça passe même crème, comme diraient les vieux. C'est une guerre, ben, c'est une guerre. À l'origine, enfin, c'est une guerre qui a plusieurs profils. On pourrait très bien dire que c'est une guerre civile, parce qu'on pourrait dire que c'est la région du Donbass qui s'est soulevée par rapport à l'autorité centrale ukrainienne qui voulait basculer vers l'Union européenne. Mais en fait, on sait quand même que cette région du Donbass, elle a été largement militarisée, armée et soutenue par la Russie de Vladimir Poutine en réaction justement à cette révolte Maïdan qui cherchait à intégrer l'Union européenne. Donc c'est un conflit qui est aussi importé. Une guerre irrégulière, puisqu'en fait la Russie importe le conflit dès 2014. Après, c'est devenu un conflit aujourd'hui inter-étatique, tout simplement. C'est deux États qui sont face, deux armées régulières. Là, on est vraiment dans le cadre d'un conflit dont on pensait sans doute qu'il avait disparu à tort, mais on a deux armées. Qui s'enterrent l'hiver, qui creusent des tranchées, qui ont des objectifs qui sont soit politiques, soit symboliques, soit militaires, enfin, politique, symbolique, c'est la même chose. Et donc voilà, donc on est bien dans ce type de conflit. Donc comme accroche, oui, très bien, vous pouvez le prendre, pas de souci. Alors, ensuite, on va avancer. La choc Tristan qui me dit, est-ce que ça passe le. Est-ce que ça passe le j'ai loupé le truc le fait d'actualité comme accroche ouais, c'est bien le fait d'actualité super pas de souci vous pouvez le faire après vous restez dans la mesure ce fait d'actualité témoigne par exemple exemple typique la baguette inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO paf, paf,
ça témoigne de l'importance du patrimoine culturel français, blablabla. Voilà. Amandine, pouvez-vous nous donner les éléments indispensables à évoquer lorsque l'on parle du cyberespace? J'ai vu arriver beaucoup cyberespace. Alors, le cyberespace, pour faire simple, c'est un enjeu de diffusion de la connaissance, parce que c'est pas le cyberespace en tant que tel qui nous intéresse, c'est le cyberespace comme enjeu de la connaissance. Donc c'est un enjeu de diffusion des connaissances, c'est un enjeu aussi, comme c'est de la diffusion de la connaissance, c'est aussi un enjeu où vous allez avoir différents acteurs qui vont chercher soit à contrôler la connaissance, soit à limiter la connaissance, l'accès à la connaissance, et on pense aux États, comme l'Iran qui va chercher à limiter l'ouverture de son pays. Et puis, c'est aussi un espace qui est un espace concurrentiel dans lequel ces acteurs vont s'opposer. Et donc, on va voir des États qui vont mener des cyberguerres sur ce cyberespace. Donc, le cyberespace, c'est Internet plus tout le matériel, plus les câbles. Et donc, c'est dans cet espace-là, qui est un espace extraterritorial, mondial, qu'on va trouver des enjeux de diffusion de connaissances avant tout. Je ne sais pas si j'étais très clair. Alors, bleu. Alors, Alex Gousselot qui me demande, pour un sujet de dissertation de type chronologique, peut-on mettre des jalons? Ouais, enfin, vous pouvez toujours mettre des jalons, il n'y a pas de souci. Mettez des jalons. Bah, par contre, encore une fois, ce n'est pas les jalons pour les jalons. Les jalons, ils viennent là comme exemple. Donc, pensez à intégrer dans votre problématique. Voilà. J'ai vu, pouvez-vous expliquer l'environnement en France, la politique de l'environnement en France? J'ai vu passer. Alors, si on a un sujet sur l'environnement et si on veut traiter de la politique de l'environnement en France, je pense que ce qu'il faut dire, c'est d'abord qu'il y a une politique étatique. C'est un peu comme pour l'Union, comme pour les États-Unis. Vous allez avoir une politique étatique avec un choix qui a été fait, le choix celui du nucléaire, avec une politique environnementale qui est quand même qui est aléatoire, mais qui est globalement insuffisante pour de nombreux acteurs de la société civile. La condamnation notamment de l'État pour non-respect des accords de Paris qui amène à la réduction des gaz à effet de serre, je n'ai plus la date précise, vous m'excuserez, je suis un peu mouillé, sans témoigne. Et puis, deuxième élément, vous allez avoir donc l'échelon supérieur avec l'Union européenne, puisque la France fait partie de l'Union européenne, et là on a le Green Deal, qui est, ça c'est super intéressant parce que l'Union européenne elle cherche à d'une part se poser en modèle de la politique environnementale, on va essayer de faire en sorte qu'on ait aucune émission de gaz à effet de serre, mais c'est aussi de proposer un modèle économique viable et qui vont pouvoir exporter. En fait, c'est devenir les leaders économiques de la transition environnementale. Hein. Et puis après, on va avoir les acteurs locaux. Et là, vous pouvez citer les mairies les grandes mairies qui ont basculé chez les écolos. On pense à Bordeaux, on pense à Grenoble, et dans lesquelles on va mener des politiques un peu plus originales. On va essayer d'aller plus loin, quitte à créer d'ailleurs des tensions. Vous pouvez par exemple prendre Anne Hidalgo, elle n'est pas écolo, mais quand elle a proposé la piétonnisation des voies sur berge, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions à Paris. Donc voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on pourrait dire pour la politique française. Je travaillerai à différentes échelles. Hein. On a la France, l'État français, on a les collectivités territoriales, les citoyens. Et puis au-dessus, on a, parce qu'on est, on fait partie de l'Union européenne. Et puis on a aussi, évidemment, les enjeux, les accords internationaux qu'on a signés, qui nous engagent, et notamment les accords de Paris. Voilà. Alors, Jeanne qui nous demande les accords d'Oslo, qui me demande de réexpliquer les accords d'Oslo. Ouais, pas de souci. Alors, les accords d'Oslo, 1993, c'est hyper intéressant parce que puisqu'on parle de faire la guerre, faire la paix, ça c'est vraiment l'exemple de résolution de la paix qui est rendue possible parce que vous avez un acteur qui est une hyperpuissance, les États-Unis à l'époque. Il n'y a pas, c'est les gendarmes de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les seuls à avoir la capacité à résoudre un conflit ou à résoudre des tensions. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Le conflit israélo-palestinien est vraiment hyper important dans les années 90. Donc, ils vont pousser les deux acteurs, à savoir l'OLP et de Yasser Arafat et l'État israélien, à se rapprocher pour mener des accords, des négociations qui ont lieu à Oslo. Et on signe les accords d'Oslo. Mais si vous regardez bien, ce qui est super intéressant, c'est que les accords sont, on les appelle les accords d'Oslo, mais ils sont signés à la Maison-Blanche, de mémoire, hein, c'est la Maison-Blanche. En tous les cas, c'est aux États-Unis. Avec Bill Clinton qui est là pour la photo, et
Yasser Arafat et Yitzhak Rabin qui se serrent la main. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que c'est une grande puissance qui arrive à imposer la paix. Qu'est-ce qu'ils imposent? En fait, l'idée, c'est que l'OLP, de son côté, renonce au terrorisme et reconnaît l'existence de l'État d'Israël. En échange, l'État d'Israël s'engage à libérer les territoires occupés. Gaza est complètement libéré, transféré à l'autorité palestinienne, une partie de la Cisjordanie. L'autre partie de la Cisjordanie est co-administrée avec des représentants palestiniens et des représentants israéliens. Et puis il y a une partie qui reste, qui est toujours administrée par les Israéliens. Il y a aussi la mise en place d'élections libres avec un parlement et une autorité palestinienne qui est associée aux décisions. Voilà, ce n'est pas encore un État, mais c'est comme une reconnaissance. C'est les prémices d'un État. Après, ce n'est pas aller plus loin parce qu'il y a eu des tensions que vous connaissez. Enza qui me demande, est-ce que les 20 sur 20 sont fréquents? Ouais, j'en ai déjà mis, mais pas toujours, mais on en met de temps en temps. Si j'en mets un ou deux par paquet de 30, 40, c'est bien. Est-ce que fonder ces révisions sur le manuel est suffisant? À la réunion, nous passons dans 2 semaines. Bravo les réunionnais. J'espère que vous avez beau temps ici en Sky. Utiliser le manuel, c'est bien, ça peut être bien. Moi, j'aurais tendance à dire quand même qu'il faut utiliser les cours de son prof. Parce que vous avez été présent. Un cours, c'est pas simplement. Vous le voyez bien. Enfin, pour beaucoup, vous dites que mes vidéos sont. Elles vous aident, mais c'est. Elles vous aident parce que vous avez déjà des connaissances. En fait, le moment où vous écoutez la vidéo, c'est le moment où vous êtes concentré. Vous avez besoin d'apprendre. Donc, vous êtes hyper concentré. En cours, on n'est pas toujours concentré. Mais surtout, vous avez déjà des acquis. Le prof a déjà dit plein de choses. Alors, des fois, c'est un peu brouillon dans votre tête. Vous avez l'impression que le cours, vous n'avez pas tout compris. Ça permet de rassembler. Donc, là, pour le manuel, c'est pareil. Il y a notamment des schémas qui sont super bien faits dans les manuels en général qui vous permettent de bien comprendre. Mais n'oubliez pas d'utiliser le cours de votre prof, il est fondamental. Parce que le cours de votre prof, normalement, il a été. Enfin, votre prof, il travaille, hein, il se bouge pour faire ça. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai été, ça c'est clair. Vive les profs d'histoire géo. Faut-il sauter des lignes? Oui, on saute des lignes. Hein, entre les parties au minima. Moi, généralement, ce que je fais, c'est qu'entre chaque sous-partie, je se déligne. Mais après, tous les collègues ne sont pas d'accord. Donc, au moins un alinéa entre chaque sous-partie, mais un vrai alinéa bien visible. Et un alinéa, ça veut dire que bah, je décale de 3-4 lignes. Mais dans l'idéal, sauter une ligne et puis sauter 2 lignes ou 3 lignes entre chaque partie. Ce n'est pas le prix de la copie qui va vous changer grand-chose. Xmax, il y a ZXmax qui me demande un exemple de cyberguerre. Ouais, après, je parlerai des accords de Camp David. Pas de souci. La cyberguerre, c'est la Russie. Les cyberguerres, si vous voulez, la guerre n'est qu'une extension. La cyberguerre n'est qu'une extension des conflits, des relations internationales, des tensions. Donc, quand les Russes ont attaqué les Ukrainiens, ils ont commencé par attaquer, faire des cyberattaques. Ils ont attaqué notamment les réseaux satellites pour brouiller les communications et ils ont multiplié les attaques sur les infrastructures de défense, ministérielle, bon, sauf que les Ukrainiens étaient quand même, il y a quelques années qu'ils se préparaient, donc ces attaques ont globalement échoué. Mais c'est ça une cyberguerre. Une cyberguerre, c'est le prolongement d'un autre conflit où vous allez avoir, quand la Russie, pardon, l'URSS, essaie de manipuler les élections dans les pays, dans les puissances occidentales, c'est une cyberguerre en quelque sorte. Même s'il n'y a pas de mort, il y a quand même des éléments. Je vais répondre Redrat qui me demande les accords de Camp David et puis après j'expliquerai Peter Drucker si jamais j'ai oublié vous me le dites. Alors les accords de Camp David 78. En fait pour faire simple, l'idée c'est que on peut dire que pour les Égyptiens les guerres israélo-arabes se terminent finalement par des défaites même si la dernière la guerre du Kippour est pas une grosse défaite, ils ont quand même réussi à Ils ont tenu d'abord, plus que pendant les 6 jours, et puis la communauté internationale, il y a eu le boycott, les pays exportateurs de pétrole ferment les vannes, donc ce qui fait monter le prix du pétrole, ce qui crée une crise, bref, ça pousse aux négociations. Mais l'Égypte s'aperçoit que finalement, ils n'arrivent pas à battre Israël dans leur objectif initial. Et donc, ils sont poussés par les États-Unis. De Carter notamment,
qui arrive à imposer l'idée sur laquelle il faut qu'il y ait des négociations entre l'Égypte et Israël, notamment pour le plateau du Sinaï. Et c'est ça, les accords de Camp David. Donc ces accords, ils mettent fin au conflit israélo-arabe. Pourquoi? Parce que l'Égypte, qui était le pays leader du monde arabe pour la lutte contre Israël, eh bien, finalement signe un accord. Donc après, ce sont les Palestiniens qui prennent le relais. Les idées de l'économiste Peter Drucker. Alors, c'est la société de la connaissance. En fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est un économiste, donc en fait, c'est pas un humaniste. Hein. Il dit pas il faut transmettre la connaissance pour le bien de l'humanité. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une société qui va être basée sur la connaissance, où on va chercher à améliorer la connaissance, c'est une société qui va connaître une forte croissance économique, qui va s'enrichir, qui va être source de progrès et d'enrichissement, et donc d'amélioration. Et c'est ça, en fait, cette idée de société de la connaissance. Et typiquement, vous pouvez reprendre cet exemple avec l'Inde, puisque le développement économique indien est pensé comme un moyen de résoudre les difficultés sociales, et donc on développe la connaissance pour arriver à ça. Voilà, je sais pas si j'ai... Blablabla. Pouvez-vous m'éclairer sur tous les présidents américains qui ont contribué à à la protection de l'environnement? Hamza. Il y a Roosevelt, évidemment, au début du XXe siècle, parce que c'est le premier, notamment, on a la photo très célèbre, on l'a vu dans un sujet où il visite, c'est le parc de Yosemite, je crois. Donc, il visite le parc et donc c'est l'image traditionnellement où on comprend la prise de conscience des États-Unis sur la politique environnementale. On peut citer aussi évidemment, mince, j'ai un trou de mémoire, notre cher président qui a fait, qui était au Vietnam, oh, j'ai perdu 72, qui lui crée le ministère, le premier ministère de l'environnement. Mais les présidents sont assez limités dans leur politique environnementale. Pourquoi? Parce que c'est pas l'État fédéral doit lutter contre les États fédérés, notamment en termes de budget. Et donc c'est très difficile. Donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de vrai président écolo. On l'a vu avec Biden, qui avait pourtant beaucoup travaillé sur l'écologie et qui en fait a accepté le projet Willow d'exploitation de pétrole en Alaska. Oui, merci Nixon. Excusez-moi, ça fatigue. Quels sont les enjeux pour mettre en avant? Qu'il faut mettre en avant pour un sujet sur la guerre, me demande Edouard Da. Les enjeux qu'il faut mettre en avant sur un sujet sur la guerre. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre? Quels sont les enjeux économiques, sociaux, politiques, je pense. Je pense que c'est ce que vous voulez peut-être dire. Et puis les différentes puissances. Voilà, je pense. Chloé qui me demande, est-ce qu'on peut associer société de connaissance et capitalisme? Ouais, dans une certaine mesure. Puisqu'en fait. Il y a quand même cette idée-là, le profit. Et le profit passe par la diffusion de la connaissance. Voilà. Henri, une petite dédicace au Liban. Ah ouais, vraiment, une dédicace au Liban. C'est cool. Coucou les Libanais. On est de tout cœur avec vous, on sait que c'est pas facile. Donc, c'est classe. C'est classe d'avoir ça, d'avoir des Libanais. Surtout que je vois qu'on a dépassé les 1000, c'est assez incroyable. Alors. Est-ce qu'on est pénalisé, me demande Daphné, si on ne connaît pas toutes les dates? Ah oui, ah, franchement, si vous ne connaissez pas toutes les dates, c'est zéro, direct, franchement. Non, pas du tout. Non, je ne parle pas de me moquer de vous alors que vous êtes à quelques heures de passer, mais non, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les dates. Je leur dis tout le temps, les dates, c'est super. C'est important d'avoir les grandes dates. Les dates de la guerre de 7 ans, c'est bien. Après, les batailles, si vous ne les connaissez pas toutes, si vous les connaissez, c'est bien. C'est ce qui nous permet de distinguer les très 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 bonnes copies des copies un peu moyennes. Mais on peut, si vous avez zéro date, évidemment, là, c'est pas terrible. Mais si vous avez commis des erreurs, c'est pas très grave. Si vous êtes trompé de 1 ou 2 ans, franchement, on va pas vous en vouloir. Alors, pourriez-vous nous rappeler? Alors, l'étonnante trinité de Clausewitz, alors, je suis désolé, je sais pas, Amand, de ce que c'est. Donc, je peux pas vous répondre. À vous des exemples de réussite de mission de l'ONU sur le mandat de Kofi Annan. Oui, carrément. Moi, celui que je prends, c'est le Timor. Le Timor, il est super intéressant parce que donc une ancienne colonie et qui obtient son indépendance et qui est administré, le processus d'indépendance est entièrement administré par l'ONU
avec la mise en place d'un référendum. Je vous renvoie au cours que j'avais que j'ai publié. Donc là, vous avez vraiment là l'exemple de typiquement comment ça fonctionne. Haïti aussi, ça fonctionne pas si mal que ça, même si à la fin, il y a des tensions relativement fortes. Mais non, c'est plutôt bien. Il n'a pas fait que des choses mal, Kofi Annan. On a souvent retenu ce qui a été loupé, mais il y a plein de choses qui ont fonctionné, hein, notamment en Afrique, en Sierra Leone. En quoi l'origine de l'espèce de Charles Darwin est contestée par les savants européens? Me demande SLSNM, je ne sais pas, le rapport. L'origine des espèces de Charles Darwin contestée par les savants européens. Je vois pas. Surtout, je vois pas le rapport, mais peut-être que j'ai loupé un truc. Quelles sont les différences? Alors, comment faire une bonne ouverture et pourriez-vous nous donner des exemples? Une bonne ouverture, je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, on va le redire. Une bonne ouverture, c'est d'abord pour faire une ouverture, on ne fait pas une question, on va directement sur une partie, on va dire, on va essayer d'aller sur l'actualité ou sur un thème différent. Si par exemple je parle des États-Unis, ben, je vais essayer de changer d'échelle, aller à l'échelle mondiale. Si je parle de la France aussi à l'échelle mondiale, ou si je suis sur une période historique, je vais sur la période d'après. Voilà, ça va être un petit peu, ça va être ça. Donc voilà, c'est ça une citation, une ouverture. Deux, trois lignes, on essaie d'affirmer quelque chose plutôt que de poser une question, parce qu'une question, souvent, quand en plus, c'est des questions dont on connaît déjà la réponse, c'est pas forcément terrible. Donc voilà. Nanana, nanana. Je pense que c'est à peu près tout. Je reviens sur les lignes, et puis après, je reviendrai Hugo pour les milices. Faut-il sauter des lignes, me demande Turboum, si à chaque ligne, faut-il sauter des lignes à chaque partie, j'imagine, ou qu'entre les parties? Comme vous voulez. Vous pouvez sauter des lignes entre les grandes parties ou uniquement, ou entre les sous-parties et les grandes parties. Par contre, si vous sautez une ligne entre chaque sous-partie, sautez deux, trois lignes entre chaque grande partie pour qu'on voit bien la différence, qu'on distingue. En fait, quand on ouvre la copie, on doit forcément voir tout de suite le plan apparaître. Moi, je dois voir, enfin, franchement, bah, là, on ne va pas les ouvrir parce qu'elles sont numérisées, mais c'est exactement comme ça qu'on le pense. Hugo qui me demande d'expliquer le rôle et les différentes milices dans les conflits du Moyen-Orient. Bah, le rôle, alors, toutes les milices, c'est un peu compliqué, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que les milices, c'est les bras armés des États. Et là, on va penser, oh, j'ai encore un trou de mémoire, je suis à la fatigue. La milice qu'on retrouve au Liban, qui est d'origine iranienne. Plap, 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 je l'ai loupé, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Bref. Je repasserai à autre chose. Si vous me aidez-moi si vous me retrouvez, j'ai un trou de mémoire. Conseillez-vous, Émilie me demande de passer plus de temps sur l'étude de doc. Ça dépend si vous aimez bien l'étude de doc ou pas. Le Hezbollah, merci. Merci, n'importe quoi. Bon, si on prend l'exemple du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une milice qui intervient au Liban, à l'origine. Elle est armée par l'Iran. Donc, c'est une milice chiite, c'est des populations chiites libanaises. Et donc, elle fait la guerre contre Israël. Donc, c'est une manière pour l'Iran. L'Iran l'utilise finalement comme une manière d'entrer sur le territoire libanais et d'agir sur les pays voisins. Ils envoient des roquettes régulièrement sur Israël, où ils peuvent, par exemple, aider Bachar al-Assad dans son conflit. Et donc, ils sont hyper importants à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça sert à ça, les milices. En fait, les milices, c'est des groupes armés. Septembre Noir était une milice dans le conflit israélo-palestinien. Enfin, une milice, un groupe terroriste qui va intervenir. Le Hamas aussi. Le Hamas, ce sont des Palestiniens qui ont pris les armes, qui refusent la politique du Fatah, c'est-à-dire de l'OLP, qui en quelque sorte on reconnaît l'État d'Israël. Le Hamas veut continuer la lutte. Et eux, ils contrôlent la bande de Gaza. Donc, et ils sont quasiment comme une autorité politique. Ils se pensent comme un État. Voilà.
Pouvez-vous nous expliquer le jalon sur l'Inde? Ça dépend ce que vous voulez savoir sur le jalon sur l'Inde. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Inde est un pays qui connaît un développement économique, et pour connaître ce développement économique, il a besoin d'acquérir des connaissances. Parce que, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure sur la question de la société de la connaissance. Connaissance égale développement économique. Donc, d'une part, ils ont hérité par le modèle colonial un système universitaire, et ils ont très tôt mis l'accent sur la question de l'université. Donc vous avez une population nombreuse, des étudiants très bien formés, qui sont presque trop nombreux pour l'Inde, donc qui quittent l'Inde. En plus, ils sont anglophones, donc c'est très facile pour eux de s'intégrer au Royaume-Uni, aux États-Unis, pendant très longtemps, surtout aux États-Unis, le Canada, l'Australie, par exemple. Donc, ça permet d'abord d'avoir une diaspora, c'est une zone d'influence. Ça permet aussi de limiter les tensions sur le marché de l'emploi. Et puis en même temps, quand ils reviennent, pour ceux qui reviennent, ça fait un transfert de technologie. Ils ont acquis des savoirs et quand ils reviennent, ils diffusent ces savoirs en Inde. Donc, ça permet le développement économique de l'Inde. Voilà. Puis il y a des réussites indiennes et c'est pour les Indiens qui sont allés s'installer dans d'autres pays, ils restent quand même certains Indiens, et donc ils vont être plutôt attachés à leur pays, et donc ils vont poursuivre l'influence, enfin donner encore l'influence de l'Inde. Je regardais, est-ce qu'on peut faire une ouverture sur un autre thème? Ouais, oui, bien sûr, ça peut être très bien une ouverture sur un autre thème, pas de souci. Si, les ouvertures, faut pas vous prendre la tête, hein. Si vous l'avez, si elle est bien, pas grave, c'est bien. Si elle est pas top, ça fait rien. Jean-Baptiste, est-ce que si on a un sujet comme les enjeux de la connaissance au XXIe siècle, peut-on parler de l'enjeu environnemental, mettre en relation la connaissance et l'environnement? Moi, je ne vois pas de contre-indication sur la possibilité de mélanger des thèmes, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Vous pouvez évidemment aller convoquer des connaissances que vous avez des connaissances globales. Par contre, il ne faut pas en passer en permanence d'un thème à l'autre. Vous avez un thème. On va vous interroger, c'est noté, hein, votre thème, c'est le sujet, il est bien sûr un thème, c'est pas transversal. Donc vous pouvez aller chercher d'autres éléments. On te parlait tout à l'heure du cyberespace, la cyberguerre, c'est aussi faire la guerre, faire la paix. Voilà, on y est, pas de souci. Par contre, on ne peut pas passer notre temps à faire les allers-retours entre les deux thèmes. Il faut vraiment choisir son thème. Ice Pêche, je crois que je l'avais vu déjà. Ah, mais c'est parti, je ne l'ai plus. Tant pis. Le transfert de technologie caractérise un transfert entre pays, me demande HB. Pas forcément entre pays, ça peut être entre firmes transnationales. Les transferts de technologie, ce n'est pas toujours des transferts qui sont autorisés. Prenons un exemple. Au début du 19e, pour l'industrialisation de la France, les entreprises françaises sont allées copier les Britanniques, et notamment les Gallois. Dans le département où je travaille, on a une usine qui s'est développée au 19e, et pour développer l'usine, le patron local, il est allé récupérer 4-5 Gallois qu'il a embauchés comme contremaîtres, qu'il a fait venir, et qui a grassement payé, et ils ont appris les techniques de la sidérurgie aux ouvriers de la Nièvre. Donc, on voit bien, là, c'est un transfert de technologie qui est un peu illégal. C'est-à-dire, clairement, c'est de l'espionnage industriel. Donc ça, c'est un transfert de technologie. Autre exemple de transfert de technologie, donc il y a entre les États, il y a quand on rachète des groupes, le rachat de firmes transnationales par des groupes de pays, par exemple l'Inde, puisqu'on parlait de l'Inde, quand ils récupèrent les firmes transnationales, ce qui les intéresse souvent, c'est au moins autant les brevets et puis les marchés sur place. Voilà, c'est super intéressant. Raphaël qui me demande, peut-on parler du patrimoine ukrainien menacé par la Russie? Oui, vous pouvez en parler dans votre sujet, bien sûr, c'est super ça, il ne faut pas hésiter. Tout ce qui est en lien avec l'actualité, faut pas hésiter. Est-il pertinent dans une copie de parler des différentes périodes climatiques pendant le Moyen-Âge? Nous n'en avons pas parlé de manière explicite en cours. Me demandez si vous les connaissez, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller bien au-delà de ce que vous avez, de ce que vous avez appris en cours. Faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on va avoir quelques copies. Enfin, quand je dis quelques, c'est gentil. Des fois, on a des copies qui sont vraiment pas bonnes.
Donc, si vous avez des copies, dès qu'on a des copies originales, dès qu'on a des copies avec des connaissances, on valorise, hein, tout de suite. On essaie de beaucoup, beaucoup valoriser. Donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez valoriser, qu'on peut valoriser, bien sûr. Alors, la communauté scientifique, me demande Sarah, comment le point sur les communautés scientifiques? Alors, la communauté scientifique, moi, je vous conseille de partir de l'exemple du Covid. On a vu beaucoup à la télévision au moment du Covid des membres de la communauté scientifique. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui fait qu'on est membre de la communauté scientifique? Ah, c'est qu'on est un expert reconnu de manière internationale. Donc on a produit des écrits, on a publié des travaux et on a été confronté dans les colloques, dans les séminaires. Donc c'est, si vous voulez, c'est des chercheurs, mais on pourrait dire des chercheurs reconnus de manière internationale qui échangent entre eux. Donc la reconnaissance est vraiment fondamentale. Et cette communauté scientifique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. Évidemment, on pourrait dire que les scientifiques se tirent la bourre pour avoir le maximum pour progresser dans la recherche. Mais il y a d'abord des controverses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, donc ils débattent. Et puis aussi, ils s'enrichissent mutuellement des travaux des uns des autres. Et donc l'idée, c'est que chaque scientifique permet de faire avancer l'ensemble de la communauté scientifique. Et le programme parlait de la question de la radioactivité, mais on peut aussi faire le lien avec le Covid. Il n'y a jamais eu autant de travaux, de recherches que lors de la période du Covid pour essayer de comprendre le plus vite possible l'origine du Covid, comment est-ce qu'on pouvait le combattre, quels étaient les moyens de propagation. Et en même temps, vous voyez bien, donc ça c'est la communauté scientifique dans son ensemble, et en même temps l'application, c'est-à-dire la mise en place de vaccins, ça c'est resté du domaine des firmes transnationales. Et ça coûte, enfin, parce que les enjeux économiques étaient fondamentaux, et là, donc, on n'était plus sur la circulation, les enjeux de la connaissance et du savoir, mais on était bien sur des brevets, et donc là, on était sur d'autres dimensions. Voilà. Toka qui me demande quelle est la différence entre Al-Qaïda et Daesh. Alors, pour faire simple, Al-Qaïda, c'est un terrorisme transnational, c'est-à-dire que il va combattre. Modèle occidental incarné par les États-Unis, quel que soit le lieu dans le monde. En fait, c'est comme une firme transnationale, pour vraiment simplifier, mais il y a des antennes partout. Et donc, vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique, vous allez avoir des personnes qui vont faire allégeance à Al-Qaïda, et donc qui vont attaquer tout ce qui va être modèle occidental. Alors, les États-Unis, puis après, les alliés des États-Unis, comme le Royaume-Uni, on a souvent oublié les attentats de Madrid, je crois que c'est 2003 ou 2006, je ne sais plus. L'Espagne avait été attaquée, et ça, donc, ça c'est Al-Qaïda. Daesh, en fait, il cherche à remettre en place un califat, c'est-à-dire un État dans lequel le chef religieux est aussi le chef politique. Et donc, finalement, ils essayent de construire un État en tant que tel, entre la Syrie et l'Irak. Et c'est parce que les Occidentaux combattent Daesh, qu'en réponse, Daesh va exporter le terrorisme. Et c'est les attentats de 2015 en France. Voilà. Et puis après, il y a une concurrence entre les deux. C'est comme deux firmes transnationales qui n'ont pas la même vision tout à fait du terrorisme. Donc, bah, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent allégeance à l'un ou à l'autre des groupes terroristes. Voilà. Des exemples de motivation moderne de faire la guerre, car en soi, le triptyque politique, idéologique, économique. Ah oui, non, c'est clair. HB, ouais. Finalement, je pense que les concepteurs du programme, quand ils ont réfléchi à faire la guerre, et notamment, vous savez, le modèle de Clausewitz exporté à la question du terrorisme, moi, tel que je l'ai compris dans mes lectures, mes travaux, enfin, quand j'ai préparé mon cours, c'est que derrière l'idée que ça a changé, on ne fait plus de la même manière parce que ce n'est plus tout à fait les mêmes acteurs, il y a quand même cette idée que les enjeux politiques, idéologiques et économiques restent présents dans la manière de faire la guerre. Si on se souvient par exemple de Daesh, lorsqu'ils développent l'État islamique, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de Daesh, ils ont contrôlé les champs de pétrole. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait avoir des ressources pour mener la guerre. Donc on est bien dans cette logique qu'il y a un conflit économique, s'il y a des enjeux économiques. Évidemment qu'il y a des enjeux politiques et évidemment qu'on a des enjeux idéologiques. Donc les choses n'ont pas tant changé que ça dans la manière de faire la guerre aujourd'hui. Vous allez toujours avoir ces différents éléments. Par contre, les acteurs sont plus les mêmes, peut-être, et la manière de faire la guerre est plus forcément la même, je dirais, pour faire simple.
à peu près. On va faire encore deux, trois questions rapides parce qu'on a, on atteint l'heure et pour vous dire, je commence un petit peu à fatiguer. Alors, nanana, si l'intitulé. Alors, pour la connaissance, conseillez-vous un plan chronologique? Me demande José le Sanglier. Bon, bah, bonjour José le Sanglier. Le plan chronologique, moi j'ai tendance à dire, le plan chronologique, c'est quand on a des dates comme repère. Alors, peu importe que ce soit sur la connaissance ou sur la guerre. Voilà. Quand vous avez depuis telle période, j'ai tendance à dire à mes élèves de faire un plan chronologique, quitte à faire une dernière partie avec un petit truc thématique, genre l'état des lieux aujourd'hui, si c'est par exemple de 45 à nos jours, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Sinon, voilà, j'ai tendance à dire ça. Si on voit depuis, on essaye de se tourner vers un plan chronologique. Si on voit les enjeux, on essaye de se tourner vers un plan thématique, enjeux économiques, politiques, géopolitiques. Voilà, à peu près. Alors, terminé. Pour terminer, je voulais juste vous dire quelques conseils. On essaye. J'ai vu Céline qui dit est-ce qu'on peut regarder des films divertissants? On peut même dire débiles, hein, pas alterner les performances de la mémoire le jour du bac. Non, je suis absolument sûr que non. Au contraire, il faut décrocher. Il y a un moment, vous allez avoir l'impression que vous ne maîtrisez plus rien. Mais c'est pas grave, il faut arrêter. Déjà ce soir, au lit tôt. Mais vraiment tôt. C'est pas grave si vous passez à 13h, 14h, ou quitte à reprendre demain. Il faut vraiment que votre cerveau soit très en forme et très reposé. Donc vous devez absolument déconnecter les écrans. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais vraiment super important. Déconnectez-vous. C'est primordial. Donc vous lâchez les écrans ce soir, vous regardez un truc, vous prenez un bouquin, vous vous reposez. Demain matin, vous pouvez faire écouter deux, trois, regarder deux, trois vidéos, mais quelque chose de très simple. Surtout, vous ne commencez pas à vous triturer les méninges demain sur tel sujet qui pourrait tomber. Si c'était le sujet, je ferais comment? Vous révisez des dates, vous révisez des repères. Pas que les trucs durs aussi, des trucs que vous maîtrisez déjà pour vous rassurer. Parce que voilà, vous allez arriver, certainement, vous aurez l'impression de plus savoir, de plus rien savoir. L'idée, c'est d'arriver à ce moment-là, le jour de l'épreuve, et ça va revenir normalement. Même si vous avez l'impression que vous prenez un sujet que vous ne maîtrisez plus rien, vous allez voir que ça va revenir. Et puis si jamais si jamais vous avez oublié les dates, c'est pas très grave les dates. L'essentiel, c'est que vous expliquiez un raisonnement. C'est vraiment ça qui est important. C'est que vous essayez de mettre en place un raisonnement. C'est une dissertation. Là-dessus, vous devez vraiment aller dans ce sens-là. Donc, pour résumer, on se repose bien. On respire, quand on prend le sujet, on prend bien le temps pour les sujets au choix, vous prenez bien le temps de lire les deux sujets. Faites-vous un mini brouillon quand même, commencez à faire un mini brouillon. Surtout, ne changez pas de sujet au bout d'une heure, souvent c'est la cata. On respire bien, ce soir on se couche pas tard, on dort bien, et puis vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Et puis ben, si vous démarrez juste les révisions que maintenant, j'en ai vu quelques-uns passer sur le truc, c'est un peu, tant pis pour vous, vous avez joué. Donc peut-être ça passera, peut-être ça passera pas, et c'est pas très grave, mais en même temps. Vous savez que vous avez joué quelque chose là-dessus. Donc voilà, surtout on se déstresse. Si vous avez des petits arcos relax ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à en prendre ce soir pour dormir. Et puis on peut se voir demain pour faire le débrief. En tout cas, vraiment merci, merci pour votre fidélité, c'était super. Je suis presque stressé avec vous parce que du coup, ça fait 3 jours qu'on se suit. On se voit demain, on débriefe ça et puis bon courage. Bonne nuit, reposez-vous bien, et puis on croise les doigts, max, 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 et je suis sûr que vous allez tout déchirer. Allez, au revoir.